Après avoir renoncé à leur fonction royale en 2020, Meghan Markle et le prince Harry poursuivent leur reconversion loin de la couronne, à Los Angeles. Désormais parents de deux enfants, Lily Badiana et Archie, les tourtereaux prévoient de s'accorder un temps de répit pour célébrer Halloween. Le 31 octobre 2021, si est donc en famille que le Quatuor célébrera la fête des morts. Et quoi de mieux que de respecter les traditions de saison américaine pour cette soirée? En effet, selon le tabloïd britannique The Express, ce lundi 25 octobre, les enfants des Sussex, et plus particulièrement leur fils aîné, pourraient partir à la quête de bonbons dans leur voisinage de Monte Quito, en Californie. Un entourage dont fait d'ailleurs partie Oprah Winfrey, à qui Meghan Markle et le prince Harry ont accordé une interview explosive au mois de mars 2021. Le couple et leurs enfants pourraient ainsi rendre visite à la célèbre animatrice télé pour fêter Halloween. Quoi qu'il en soit, le 31 octobre 2021 marquera une première pour le duc et la duchesse de Sussex puisqu'ils seront quatre à profiter de cette soirée pour la première fois et à l'abri des regards indiscrets. Meghan et Harry, un premier Halloween discret, projet qui ne pourra que leur rappeler leur premier Halloween. En 2016, Meghan Markle et le prince Harry ont célébré l'événement ensemble derrière les portes closes, toujours en Californie. Au moment des faits, l'ex-actrice vivait pourtant au Canada en raison du tournage de la série Suits qu'il a révélé au grand public. Ils ne sont pas allés dans des bars ou des boîtes de nuit parce qu'ils craignaient d'être repérés, a confié une source proche des rebelles de la couronne au Sun, en 2019. Leur relation n'a été dévoilée qu'en 2017 après plusieurs semaines de rumeurs insistantes. Un passé désormais lointain.